Aujourd'hui, ça va pas être la journée la plus drôle. Je pense que c'est important de ne pas oublier. Moi, c'est Baptiste. Je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Promenade en forêt. Il n'y a pas trop de monde, c'est cool, c'est sympa. Aujourd'hui, ça va pas être la journée la plus drôle. Je pense que c'est important de ne pas oublier. On avait l'impression qu'on était rentré en enfer parce qu'on voyait des cadavres le long de l'allée centrale, on voyait des chiens qui couraient après des femmes qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. On voyait bien qu'il y avait de la fumée qui sortait. Alors nous, comme on nous avait dit un camp de travail, on a cru que c'était une usine. On nous a dit, vous savez, ici vous rentrez par la porte, mais vous n'en sortirez pas la cheminée. Il n'y a aucune possibilité de survie ici. Elles nous ont rasés entièrement et elles nous ont tatoué un numéro sur le bras. On n'avait plus d'identité, c'était le numéro qu'il fallait donner. On s'est retrouvés dans des grandes baraques qui comptaient à peu près 700-800 personnes. La première nuit, on entendait hurler des cris des gens qui devenaient fous, des gens qui mouraient, qui tombaient. Il fallait déjà sortir des personnes qui étaient mortes dans la nuit. Alors, vous savez, quand vous avez 15 ans et que vous commencez à charrier des cadavres, qui c'est qui pouvait imaginer? Même à l'heure actuelle, les gens encore ont du mal à s'imaginer comment ça fonctionnait. C'est cool à Varsovie, ils ont fait un programme avec tous les jours, il y a une partie des musées qui en a accès libre. C'est un bon accès à la culture, c'est chouette.
vraiment pas mal ce petit box là. Avec les rideaux, c'est assez agréable. On peut vraiment avoir son intimité, c'est cool. Les lits, ils bougent moins la nuit. Il y a souvent des prises avec une petite lampe. Ça, il y a pas ça partout. Ce qui est bien, c'est qu'en dessous, il y a des grands coffres qui font toute la largeur du lit. Et je peux mettre mes deux sacs dedans, verrouillés. Et comme ça, je peux partir en ville visiter sans problème. J'ai pris goût à ça. Là, j'attends Mathilde et Nathan. Ils sont partis de France hier en camping-car. On va direction la Lituanie. Ils vont me récupérer, on va rouler une bonne partie de la nuit. Et puis après, on va se coucher, on finira demain. En espérant arriver en Lituanie demain dans la journée. Les prochaines semaines, je ne serai pas tout seul. Ça va faire plaisir, c'est cool. Et là, je les attends à l'arrêt de bus. J'en ai pour un petit moment à attendre. Ils arrivent.